horny with that Illuminati mess. Paparazzi, catch my fly and my coffee fresh. My daddy Alabama, mama Louisiana. You mix that Negro with that Creole, make a Texas. Make a Texas, make a Texas. Mix that Negro with that Creole, 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 Creole. You mix that Negro with that Creole, 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 Creole. You mix that Negro with that Creole, 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 Creole. You mix that Negro, Creole, 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 Creole. I got hot sauce in my bag, swag. Hello les Behave, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo Ivy Park en collaboration avec Adidas. Donc comme vous le savez tous, certainement si vous êtes un Behave, vous le savez, Beyoncé a lancé sa nouvelle collection en janvier 2020. Cette collection, elle a fait beaucoup parler d'elle et elle avait annoncé déjà cette collection en avril 2019. Donc pendant un an, elle nous a tenu en haleine, elle postait des photos avec, avec Adidas, elle postait le logo, la couleur et tout. Donc pour Coachella et tout, quand le film Coachella est sorti, normalement on aurait dû avoir un avant-goût de sa collaboration avec Adidas. Et la collection est enfin sortie en janvier 2020. Donc je m'excuse pour ce retard. Mais on est en mars et Ashley Watt a mis son dernier post sur Ivy Park. Voilà, et qu'est-ce qu'elle a dit? Vaut mieux tard que jamais. Beyoncé n'est pas à sa première collection Ivy Park. Sa première collection, c'était avec la marque Topshop, qu'on peut retrouver en Europe, en Angleterre. Je sais pas s'il y en a en France, c'est, je crois, un conflit d'intérêts, de principe sur la femme, justement, avec le PDG de Topshop. Et du coup, Beyoncé a pris ses clics et ses claques. Elle a dit, je pars, je vais trouver quelqu'un d'autre. Voilà, elle a dit bye bye à Topshop. Mais ce n'est pas pour nous déplaire parce qu'elle est allée avec Adidas. Oui, 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 vous inquiétez pas. Je vais tout vous dire. Comment j'ai procédé pour avoir cette collection, combien j'ai payé, par quel site de réexpédition je suis passée. Je vais tout vous détailler. Pour avoir cette collection Beyoncé Ivy Park, il faut savoir que lorsque Beyoncé annonce qu'elle va lancer sa collection, il faut tout de suite regarder quels sont les sites qui vont distribuer sa marque. Donc on avait pas mal de sites comme ASOS, Foot Locker, enfin en France en tout cas, Foot Locker, Adidas. Moi, je suis restée sur Adidas. Dans le 17, c'était un vendredi, je suis rentrée, il était minuit, on s'est connecté sur le site d'Adidas et là, il y avait un message. Le site ne répondait pas. Le site n'était pas disponible, mais le message disait que la collection va bientôt sortir dans quelques heures, donc il faut rester connecté. Et en fait, il nous mettait la page s'actualiser tout seul, voilà. Donc elle s'actualisait tout seul, il faut savoir que si vous-même vous réactualisez la page, c'est comme si vous avez une file d'attente, et bien à chaque fois que vous réactualisez, ça va faire comme ça. Vous allez retomber à chaque fois à la dernière place, à la dernière place. En fait, il faut laisser le site se réactualiser lui-même. Comme ça, vous êtes dans la file d'attente, mais vous avancez, vous avancez. Que lorsqu'on se connecte, on a un numéro tiré au hasard, un numéro qui se débloquait pour pouvoir acheter la collection. Donc c'était vraiment au petit bonheur à la chance. Les gars, je vous jure, on était comme des fous. À 3h30 du matin, j'avais mon écran d'ordinateur sur la page d'Adidas, mon écran de téléphone et le téléphone de mon copain. À 3h30 du matin, c'est celui de mon copain qui s'est débloqué, où on a pu vraiment faire les achats. Mais moi, mon téléphone et même mon écran d'ordinateur, à aucun moment, que ce soit la veille ou même la journée, toute la journée du 18 janvier, à aucun moment, mon écran ne s'est débloqué. Donc je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Je pense que c'était vraiment au sort, et soit tu as de la chance, soit tu n'as pas de chance. Mais en tout cas, si vous voulez avoir le plus de chance possible, il faut vraiment se connecter sur plusieurs écrans en même temps, se regrouper, je ne sais pas comment vous faites. Et lorsque une personne a l'écran débloqué, il faut passer toute la commande. Ne réfléchissez pas trop. Justement, lorsque vous attendez, Adidas avait mis les vêtements. Donc on voyait Beyoncé, les photos et tout ça, pour vous permettre de choisir avant que le site se débloque. Comme ça, vous pouvez après, vous n'avez plus à réfléchir en fait, vous savez ce que vous allez prendre et tout.
Bon, c'est vrai qu'il faut réfléchir parce qu'il y a des trucs qui coûtent cher, mais on a fait quand même deux commandes, donc on a eu énormément de chance que le téléphone de mon copain s'est débloqué en deux fois et le mien, mon écran d'ordinateur et mon téléphone, jamais. Il ne s'est jamais débloqué. Il s'est débloqué quand tout était sold out. Donc mon copain m'a acheté cette robe à Ivy Park avec le petit col qui se ferme et le logo Ivy Park, les bras en toile. Mais je vous avouerai que pour la réunion, ça chauffe énormément. Donc je vais attendre l'hiver austral pour pouvoir la mettre. Super confortable, super moulante, très bonne coupe. Un peu courte, j'avoue, mais sur la présentation de Beyoncé, elle avait un short. J'aurais dû prendre le short, mais voilà, je me suis dit, mais non, j'ai pas besoin de short. Finalement, si, parce qu'elle est un peu courte quand même. Hein. Donc, voilà, cette robe m'a coûté 89€, enfin, lui a coûté, pardon, 89,90€. En sachant qu'on est passé par le site Easy Delivery, je vous recommande pas ce site, d'accord, parce qu'il nous a séparé la réexpédition, alors que nous on voulait une réexpédition groupée, donc on a payé plus cher, bien évidemment. Je vous recommande le site DumTum Livraison et Shopil, eux ils regroupent vos commandes sans vous faire payer de surplus, voilà. Donc pour la robe, ça m'a coûté 89,90€, 19€ de frais d'envoi et la robe est arrivée en 10 jours. Dans les délais, les fameuses bottines à chaussettes de Beyoncé. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque je voulais commander sur le site internet, je voulais trop avoir ces bottines parce qu'elle a fait la promotion et que c'était trop canon, quoi. Et je me suis dit, oh là là, il me les faut, il me les faut, il me les faut. Et j'étais déçue quand je n'ai pas vu ces bottines. Mais je n'avais pas compris en fait que c'était la chaussette qui se vendait et qu'elle avait juste rajouté, voilà, une chaussure à talons où elle a fait un trou dans les chaussettes. Voilà. Merci à Juju qui m'a donné l'astuce et du coup j'ai pu prendre mes chaussettes et mettre mon talon à l'intérieur. J'avais pas compris aussi en fait que lorsqu'on commandait une paire de chaussettes, on avait les trois couleurs. Donc on avait orange, marron grenat et blanche crème. Voilà, pour 23€, on avait 3 paires de chaussettes et franchement ça c'était vraiment un très bon prix, un très bon rapport qualité. Ensuite on a commandé aussi une sacoche Ivy Park, voilà, qu'on met sur le devant, avec c'est la nouvelle mode, voilà. La sacoche nous a coûté environ 64 ou 69€, c'est cher pour ce que c'est, mais voilà, on l'a quand même commandé. Parce qu'on voulait une sacoche comme ça. Voilà. Puis on a aussi pris ce bonnet. Donc moi ce que j'aime bien c'est que du coup c'est mixte, super flashy. On pourrait faire un très bon style avec le bonnet, la sacoche et les chaussettes. Ça a fait un montant de 114€. 114€ si on rajoute 27€ de frais avec Easy Delivery. Et ce n'est pas arrivé dans le délai prévu. Normalement ça devait arriver en 10 jours, ça a pris 3 semaines pour arriver, voire plus que 3 semaines parce que mon colis est resté bloqué 10 jours à la douane. Alors je ne comprends pas pourquoi c'est resté bloqué 10 jours à la douane, ils ont ouvert mon colis et tout, et en plus quand le facteur est venu me livrer, il m'a demandé de payer 19€. Donc déjà on me fait attendre, on me garde mon colis pendant 10 jours et en plus on me fait payer 19€, donc bravo la poste, hein, bravo. Au total, cette collection Beyoncé nous a coûté 270€. Franchement, j'aurais tellement aimé avoir les baskets. C'était, oh là là, ces baskets, elles étaient mais trop belles. Malheureusement, vous savez, c'est ce genre de choses, c'est sold out, mais rapidement. Et il faut vraiment être rapide. Pour avoir ce genre de collaboration, il faut vraiment être rapide, être taqué tout de suite. Sinon, vous avez rien. Sinon, c'est sold out et malheureusement, vous n'avez pas. Donc, j'espère que cette petite vidéo, elle est assez courte quand même, vous a plu. Si vous avez besoin de conseils ou si lorsque Beyoncé ou Kim Kardashian fait une collection et que vous voulez être à l'affût de tout ça, si vous avez des questions,
laissez-moi vos messages sur Instagram. Donc, dites-moi en commentaire si vous aussi, vous avez pu avoir votre collection Ivy Park. Quels vêtements avez-vous préféré? Quels vêtements avez-vous commandé? Mettez-moi vos photos, vos commentaires. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bye bye.